Le ciel est clair et glacé. Ce n'est pas la nuit. Ce n'est pas encore le jour. Nous sommes à l'intérieur du château de Tiffauges, en Vendée. Tout est calme et paisible. Mais une étrange odeur de cendre et de brûlé vous prend à la gorge. Je me dirige lentement vers le cabinet du maître des lieux, Gilles de Rais, baron de Bretagne, maréchal de France, seigneur de Rais, d'Ingrande, de Champtocé, Machecoul, Saint-Étienne de Mermorte, Pornic, La Suze, Princé, Pouzogue, Tiffauges et autres lieux, et fidèle compagnon d'armes de Jeanne d'Arc en l'an de grâce 1429. La chandelle est encore allumée. Jeanne, monseigneur, monseigneur. Quel cauchemar horrible! Je me voyais seul dans une clairière, au milieu d'une forêt obscure, entourée de flammes, et harcelé par des êtres hideux, mi-hommes, mi-bêtes, qui me transperçaient de leurs lances pointues. Et mon corps devenait une immense plaie sanguignolante, et le feu m'enveloppait lentement et me dévorait, comme il le fit pour cette pauvre Jeanne. Marie, très sainte Marie, protégez-moi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Mais ma foi est profonde, vous le savez. Qui es-tu? Je ne te connais pas, qui es-tu? N'ayez aucune crainte, monseigneur. Je ne vous veux aucun mal. Je suis un simple visiteur. Je me prénomme Claude. Quant à mon nom, il ne vous dirait rien. Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas de cette époque. Je viens du futur. Un futur lointain, où tout est devenu possible. Et je voyage à travers le temps, à travers l'espace, pour tenter d'approcher les hommes illustres de notre histoire. Essayer de les comprendre, leur poser des questions sur leur vie, leurs actes, les plus glorieux comme les plus vils, et léguer pour la postérité leur témoignage intime. Tu me sembles sincère, Claude. Et d'ailleurs, tes propos ne me surprennent point, car j'ai toujours cru dans le pouvoir extraordinaire de la science. Et moi-même, je l'ai cultivé pendant des années. J'ai toujours tenté de déceler les insondables et enténébrés mystères de la vie. Mais nous pourrons en parler si tu le souhaites. Asseyons-nous. Et causons. Tu es très sympathique, Claude. Et par ma foi, assez mignon. Je vous remercie, monseigneur. Permettez-moi donc de revoir avec vous votre vie trépidante à partir de quelques documents dont je dispose. Je vous parlerai sans complaisance et je vous prie, monseigneur, de bien vouloir me corriger si nécessaire. Vous êtes né en octobre 1404 au château de Machecoul, dans le Bas-Poitou, aux confins de l'Anjou et de la Bretagne, au sein d'une très grande famille de la noblesse bretonne. Et je crois pouvoir dire que vos immenses revenus, votre parenté avec la famille royale de France et la dynastie ducale de Bretagne, firent de vous l'un des seigneurs les plus en vue et les plus puissants de votre époque. Et votre enfance fut celle d'un jeune noble à qui rien ne manquait.
Nuance, je t'en prie, ce tableau idyllique. Mon adolescence fut difficile, parfois même très difficile. Et j'ai connu moult moments très douloureux, puisque j'ai eu le malheur de perdre mes parents très tôt, morts tous deux en 1415. Mon éducation fut alors confiée à deux hommes d'église qui m'apprirent le latin, les mathématiques et la philosophie. Et dès l'âge de 7 ans, je fus initié au métier des armes. Et j'ai appris à durcir mon corps par l'exercice, mais aussi par les privations et les marches, par tout temps et tous les terrains. Mon frère René et moi-même furent élevés à la mort de nos parents par notre grand-père maternel, Jean de Craon. Contrairement aux vœux formulés par votre père, Guy de Laval, qui, dans son testament, avait désigné pour tuteur un certain cousin Jean de la Tournemine, seigneur de la Hune-Naudée. Oh, Bilvesé, je dois tout à Jean de Craon, dont le courage et l'audace le faisaient admirer de tous. Et il fut pour moi un exemple. Pourtant, Monseigneur, Jean de Craon avait une réputation sulfureuse et il était connu pour sa violence et sa brutalité. Ah, c'est Bilvesé, te dis-je. Ce ne sont que menteries infâmes venues de matagots sans esprit et de froduqués calomnieux. Ah, sans doute, Seigneur, sans doute. En tout cas, votre grand-père était un homme d'une grande générosité, tout au moins avec vous. C'est l'hôtel de la Suze à Nantes, ses nombreuses terres et châteaux de Briolet, d'Ingrat, de Sénéchet, du Louroux-Bottereau, de la Bénate, de Borneuf, de la Voulte et le splendide Champtocé. J'en conviens, mais tu sais, mon garçon, mon grand-père m'a laissé surtout sa cuirasse et son bien le plus précieux, son épée, sa fidèle épée. Et ce qui compta le plus pour moi. Tu n'ignores pas, puisque tu sembles fort bien renseigné, que je suis le petit-neveu de l'illustre connétable Bertrand Duguesclin, héros des premières luttes de cette interminable guerre contre les Anglais. Et c'est avec l'épée de mon grand-père que je me suis révélé un brillant soldat. Et surtout, je me suis illustré d'abord sous les ordres de Jean V de Bretagne, en prenant une part active dans les querelles résiduelles de la succession de Bretagne entre les Montfort et les Vainquières. Après deux fiançailles rompues par la mort prématuré à chaque fois de votre fiancé, respectant un troisième contrat de mariage signé le 30 novembre 1420, vous êtes résolu à vous marier le 26 juin 1422. C'est exact. Et j'ai épousé à l'âge tardif de 17 ans, en l'église Sainte-Maurille de Chalonne-sur-Loire, Catherine de Thouars, que j'avais enlevé dans ce but le 24 avril de l'an de grâce 1420. Et ceci, au nez et à la barbe de ses parents, ce faquin de Minet de Thouars et cette péronnelle de Béatrice de Montjean qui ne voulait pas de ce mariage et qui croyait peut-être pouvoir s'opposer à mes volontés. Les gros niais et stupides nigauds. Suffit. Cette épouse vous donna officiellement une fille, Marie de Laval, en 1429. Qui sera marié un temps opportun à l'amiral Prigent de Coëtilly, plus subséquemment au maréchal André de Lauréac. Je précise que ce genre de transaction était très courante à l'époque.
À ce moment-là, vous vous étiez taillé, pièce par pièce, une solide réputation de culotte de fer. Expression allusive au fait que la population ne vous voyait rarement sans votre armure de combat. J'avais grande hâte de faire montre de ma bravoure sous le feu. Il y a 20 ans, d'ailleurs, je pris la décision de combattre l'Anglais. Et je vins retrouver avec tous mes soldats notre bon roi Charles VII, réfugié à Bourges. Oui, je précise que le roi Henri VI d'Angleterre s'était alors proclamé roi de France et, entendez bien, régnait sur tout le pays. C'était sans compter sur ma détermination et le courage de mes hommes. J'attaquais d'abord l'Anglais en Anjou. Et mon courage au combat me fit admirer de tous. En 1427, à l'assaut du château de Lude, j'ai gorgé de mes propres mains le chef anglais, le capitaine Blackburn. Puis je repris encore aux Anglais la forteresse de Rennefort et le château de Malicorne sur Sarthe, en Anjou. Je devins alors un héros sans peur et sans reproche, comme mon glorieux grand-oncle. Le roi Charles VII a dû vous accueillir avec enthousiasme. Je crois d'ailleurs que l'un de vos parents, Georges de la Trémoille, était à la cour un des favoris du roi. Et dans une lettre d'avril 1429, vous vous engagez à le soutenir, je cite, « jusqu'à mort et vie envers tous et contre tout seigneur dans la bonne grâce et l'amour du roi ». Le roi, dans sa grande sagesse, reconnut en effet mes immenses mérites. Mais c'est Maroufle qui prétendit alors que je devais cette reconnaissance à mon cousin de Trémoille, ne sont que des ânes bâtés, mais des ergoteurs de rien. Et puis on vous retrouva notamment aux côtés de Jeanne d'Arc. En 1429, vous avez été l'un des principaux capitaines qui l'aidèrent à faire entrer des vivres dans Orléans. Et vous alliez vous distinguer à la prise de Jargeau le 12 juin 1429. Oui, et ce fut un moment fabuleux de ma vie. J'en retirai gloire et louange. Et c'est couronné de laurier que je viens remercier la très sainte Vierge pour son dévouement indéfectible dans la chapelle de mon château natal de Machecoul. Après l'éclatante victoire de Pathé, Charles VII est sacré roi de France à Reims le 17 juillet 1429. Roi de France de droit divin, puisque furent accomplis en ce jour mémorable tous les rituels institués par Hugues Capet pour mettre la royauté sous l'autorité directe de Dieu. Faveur insigne, je fus nommé et mandaté d'aller quérir la Sainte Ampoule, contenant le Saint-Crème, en l'abbaye de Saint-Rémy. Et je fus nommé par notre souverain, maréchal de France, en guise de mes remerciements pour mes valeureux services. Je n'avais alors que 25 ans. De plus, je devenais conseiller et chambellan du roi. Vous êtes alors décrit comme un baron, je cite, nerveux et robuste, d'une beauté et d'une élégance rares. Mais votre échec avec Jeanne d'Arc, lors du siège de Paris, dû à une trahison de la Trémoille qui a fait se replier l'armée française, entraîna votre discrédit auprès de la cour et vous incita à vous retirer sur vos terres, et en particulier dans votre château de Tiffauges, en Vendée. Pas du tout! Et si tu veux te donner le loisir de m'écouter, je te ferai bientôt connaître la vérité, et tu apprendras des choses fort importantes sur moi. Sache d'abord que la Trémoille n'a fait qu'obéir aux ordres du roi, et qu'une prétendue conspiration contre moi et le fait de quelques matagots sans scrupules et des escogriffes bien plus décidés à me perdre qu'à servir notre grand pays. Et c'est de ma propre volonté
que je décidai, après la tragique exécution de Jeanne, de rentrer dans mes terres à Tiffauges. Car je n'appréciais guère les petites... Son grand conseil, sous la pression de votre fille et de votre frère, le roi Charles VII, je cite, « sûr du mauvais gouvernement du sire de Ré, lui fait interdiction et défense de vendre et d'aliéner ses terres, rentes et seigneuries, signifie aux capitaines et gardes de ses forteresses de ne livrer ou souffrir qu'on ne les livre à personne, même si elles sont vendues, et interdit à quiconque de traiter avec le maréchal. » Vous niez également que l'or et l'argent coulaient de vos mains comme un torrent vers vos familiers, vos pages, vos favoris, Pierre et Périnée, qui à la chapelle portaient l'aube des enfants de cœur, votre cour, vos offrandes à l'église. Ah, par ma foi, j'en conviens. Et je n'en voulais jamais ouïr comment et en quel usage se distribuaient mes deniers. Ce qui comptait pour moi, c'est que j'ai toujours assez d'argent à follement dépenser. Voilà. Au point d'en arriver à vous comporter en vulgaire pillard, allant jusqu'à attaquer l'escorte de la reine Yolande d'Aragon, la belle-mère du roi, et à s'emparer de ses richesses. Oh, ennemi ! C'était plus par plaisir que pour voler. Je vomis cette vieille mégère. Et puis d'ailleurs, mon vieux, dans un monde où tout va à volo, hein, pourquoi pas? C'est la raison du plus fort, c'est tout. Et en ces temps brutaux et obscurs, triste est de le constater. Homo est... Je fais une citation latine. Homo homini lupus. Traduction, l'homme est un loup pour l'homme. Rapidement, hélas, vos impérieux besoins d'argent vous incitèrent à rechercher la richesse par l'alchimie. La transmutation des métaux par le grand œuvre s'effectuait au moyen de la pierre philosophale, la pierre des anciens, le rubis prôné alors par les alchimistes d'Allemagne, d'Italie, de France, notamment par le bienheureux Raymond Lull, auteur de l'Ars Magna, par Nicolas Flamel, richissime alchimiste possédant l'élixir de l'éternelle jeunesse, par le moine allemand Basile Valentin d'Erfurt, et puis par tant d'autres. À cette époque, leur grimoire circulait un peu partout en Europe et vous fîtes donc appel à quelques maîtres illustres pour apprendre ce noble et mystérieux art de faire de l'or. Je le fis. Et j'installai même à cette fin des fours d'atanor, des alambics, des vases, des cornues. Et pendant des mois, je tentai avec ces gens d'obtenir la poudre rose, la fameuse poudre de projection, celle de la pierre philosophale. Mais malgré toute leur science, ces maîtres alchimistes échouèrent. Ils échouèrent lamentablement. Et c'est alors, monseigneur, que Jean de la Rivière, magicien renommé de Poitiers, vous révéla qu'il savait l'art d'évoquer le démon et d'obtenir de lui le pouvoir et la puissance. Assurément. Et avec mes amis Briqueville et Gilles de Sillé, nous nous rendîmes à minuit au plus profond du bois qui entoure Tiffauges. Le sorcier traça des cercles, alluma des cierges pour convoquer Satan. Mais Satan ne se montra pas. Loin de vous décourager, vous fit alors appel à d'autres magiciens, notamment ce prêtre défroqué venu de Saint-Malo, le père Eustache Blanchet, puis le Toscan François Prélati, un démon au visage d'ange, qui vous séduisit aussitôt par sa beauté, sa prestance et sa jeunesse. Les cérémonies de magie rituelles se multiplièrent alors. Il est vrai, et d'ailleurs l'une d'elles manqua de réussir, mais... Lorsque je pénétrai dans le cercle tracé par le magicien,
je ne pus m'empêcher de murmurer une prière. Et ainsi, je fis échouer l'expérience. Jusqu'au jour où vous avez décidé de signer un pacte avec le diable, écrit en lettres de sang. Oui, je demandais au prince des ténèbres savoir, puissance et or. En échange, je me donnais à lui. Mais je ne lui accordais pas ni mon âme, ni ma vie. Peut-être. Toutefois, vous étiez pris dans un engrenage infernal dont vous ne pourriez plus vous défaire. Cordieu, monsieur de Jazer, vous avez la langue bien pendue, hein? Dieu vous garde! Heureusement que je suis dans de bonnes dispositions. Autrement, j'appellerai mes gens et je vous ferai couper bras et jambes. Mais vous ne le ferez pas, vous ne le ferez pas, parce que je vous dis la vérité, la pure vérité. Je le confesse. Mais vois-tu, je n'avais pas alors le sentiment de jouer avec le feu. Et le soir même, je faisais chanter en ma chapelle, par ma collégiale, composée des plus beaux garçons, un office en l'honneur de Lucifer. Ainsi vous, Gilles de Rais, orgueil de la Bretagne catholique, et pleinement dévoué au Christ et à la Sainte Vierge, si attaché à notre Sainte Mère l'Église, compagnon d'armes et de foi de Jeanne, dans les combats, vous avez perdu votre âme. Perdu votre âme. Mais pourquoi? 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 Tout simplement parce que je crois fermement, inébranlablement en Dieu. Parce que vous croyez en Dieu? Mais je ne comprends pas. Mais enfin, voyons, c'est facile pourtant. Je crois fermement en Dieu. Donc, je crois aussi en Satan, adversaire au pouvoir immense. Satan, le séducteur, le tentateur, décrit depuis des siècles immémoriaux par les théologiens. Tu sais, Claude, depuis mon enfance, les prêtres ne cessent de me dire que Satan, le très-puissant, est omniprésent avec sa brigade de démons munis de moyens prestigieux. Épouvantable destinée de Jeanne, si pure, si vertueuse, avec laquelle je fis campagne, et que j'admirais et que j'aimais plus que tout au monde, m'a prouvé, par son procès retentissant, que cette gentille garçonne, toujours vêtue en habit masculin, les cheveux rasés au bol, et montant à cheval comme un garçon, était en fait une démone. Enfin, tu l'as dit toi-même, elle était possédée par le diable. Et les juges et les inquisiteurs l'ont démontré, et pour cela, il faut bien en convenir, elle fut justement brûlée. Ce que vous me dites, Gilles, est effrayant, effrayant. C'est donc, si je vous ai bien compris, en pensant aux miraculeuses réussites de Jeanne, que vous vous êtes tourné vers le satanisme, dans le but très simple d'accroître vos richesses, d'obtenir la puissance et de rayonner d'un éclat nouveau. Tu y es, mon garçon. Et peu à peu, vois-tu, je me suis donné à Satan, le magnifique, le duc, le baron, le seigneur noir, le dispensateur des richesses, celui qui a fait gagner Jeanne par des victoires inexplicables. Autrement dit, Gilles, comme disait Huysmans, non, vous ne connaissez pas. Il est très difficile d'être un saint. Reste à devenir un satanique. C'est l'un des deux extrêmes. On peut avoir l'orgueil de valoir en crime ce qu'un saint vaut en vertu. Ah, je crois que cela s'applique particulièrement bien à vous. Dès lors, vos crimes découlent de cette situation. Car il faut bien en venir à l'essentiel. Vos crimes horribles. Non. Non. Tais-toi, Claude. Tais-toi, je t'en supplie. Non, je ne me tairai pas. Après avoir usé d'eux pour vos contentements et vos plaisirs sodomiques, vous avez fait mourir un grand nombre d'enfants.
afin de recueillir le sang pour invoquer les infernaux esprits. Tu me tords l'âme, Claude. Certes, je suis le prince de la nuit qui se sent devenir bête féroce avant l'aube. Oui, je mords, j'arrache, je dévore. Mais que puis-je à tout cela? Pourtant, je prie la Sainte Vierge sans cesse, et ma dévotion pour elle est sans borne. Ne vous dissimulez pas derrière elle, Gilles. Ayez le courage de prendre vos responsabilités et revenons à vos méfaits. Dans cette entreprise, vous avez fait preuve d'un art extraordinaire. Vous avez fait amener de jeunes et innocents et beaux garçons par vos rabatteurs et vos ignobles complices, dans le machiavélique Gilles de Sillier et cette femme abominable qu'on appelait la Meufrée, une sorte d'ogresse toujours vêtue de noir. Elle n'en a même plus osé prononcer votre nom, tant il était craint. On ne vous a plus appelé alors que Barbe Bleue, en raison peut-être de votre barbe noire au reflet aile de corbeau, ou bien de l'étrange cavalier montant un cheval barbe à la robe bleu nuit qui, chaque fois qu'il traversait un village, entraînait la disparition d'un enfant. Et toutes ces disparitions, tous ces crimes, ont marqué si longuement les esprits qu'ils se trouvent à la base de la légende de Barbe Bleue qui sera ressuscitée dans son conte célèbre par Charles Perrault. Je ne comprends rien à tout cela. Pitié! Je ne veux plus rien entendre. Vous m'écouterez, Gilles. Vous m'écouterez jusqu'au bout. Vous vous êtes livré sur tous ces malheureux enfants innocents à vos penchants immondes de luxure. Vous les avez possédés, opérant avec un raffinement cruel, les égorgeant d'un coup de dague. Non. Non. Non, il est vrai que pour les chantres de votre collégiale, pour Pierre et Périgné, vous étiez bien plus tendre et indulgent, vous leur laissiez la vie. Écoute-moi, Gilles, écoute-moi. Il est temps de te repentir et de reconnaître ce que tu as fait. Non. Tu dois avoir le courage d'entendre tes crimes jusqu'au bout, tes crimes et tes horribles façons de procéder. Écoute, Gilles, écoute. Les étapes de ce rite abominable étaient sélection de beaux enfants, innocents et impubères, profanation corporelle, souillures immondes, luxure et égarements pervers répétés, égorgement des enfants, sang recueilli rituellement, détachement des membres, de la tête, main droite, cœur, pied gauche coupé, placé dans un vase pour un rite nocturne d'offrande aux démons, à minuit, au fond des bois, le reste brûlé, enterré ou jeté dans tes lacs. Tu m'entends, Gilles, tu m'entends? Tu poussais même le vice et la cruauté à faire semblant de pendre ses enfants. Puis, tu les sauvais au dernier moment et tu profitais alors ignoblement de leur reconnaissance avant de les tuer. Non! Non! Tes élans mystiques très chrétiens devinrent les éléments de cet offertoire à Satan. Tes penchants homosexuels devinrent fureur exacerbée de possession, de jouissance, dans un délire de dépravation. Oui, Gilles, ta passion guerrière est devenue une excitation à tuer, à égorger, à saigner, à faire souffrir l'innocence. Et ta jouissance, oui, Gilles, ta jouissance en fut décuplée et Satan satisfait. Arrête, je t'en supplie. C'est plus que je ne peux entendre, arrête. Ne pleure pas, Gilles. Ne pleure pas. La justice des hommes et la postérité te condamneront pour avoir sacrifié des centaines d'enfants à tes plaisirs et à ta soif de l'or. Mais la justice divine est tout autre. Et Dieu est miséricorde et amour. Oui, c'est vrai, j'avoue. J'avoue tout. Pour la sauvegarde de mon âme, je dois vider toute ma vie. Ces voluptés abjectes, ces crimes atroces, je n'ai conçu seule la pensée. J'ai tué par plaisir, pour ma propre délectance, et sans le conseil
qui que ce soit. Je suis un infâme. Je suis un monstre. Un monstre. Pardon. Pardon. C'est bien, Gilles, c'est bien. Mais ne pleure plus. Ne pleure plus, Gilles. Puisse le Seigneur, dans sa grande bonté, me pardonner et me recevoir auprès de lui. Adieu, pauvre.